Bon bah voilà, je suis la dernière. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Vannes. Aujourd'hui je vais faire les 10 km. Ensuite je retourne à Nantes et cet après-midi j'ai une autre course. Donc c'est près de 2000 coureurs sur ce 10 km. Course gagnée l'an passé en 30 ans. Il faut savoir que le record de cette épreuve date de 2012 en 31-40. Comme je vous le disais, ce matin je fais les 10 km des foulées du golf, donc je suis à Vannes. Et cet après-midi, je retourne à Nantes et j'ai une autre course, c'est les 12 km des foulées de Vertavienne. Et c'est la première fois que je vais enchaîner deux courses comme ça. Donc, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Alors vous voyez mes amis, là ça me rappelle des super souvenirs du 177 km où on est arrivé ici. Quel superbe souvenir. Du coup je me pose toujours la question, est-ce que j'y retourne ou pas à l'ultramarin? Parce que c'est vrai que ça me titille encore. Donc je sais pas, je vais voir. Je vais peut-être m'inscrire en dernier moment comme d'habitude, mais... Bon, vous m'excuserez, mais là, en fait, j'ai dormi que 5 heures cette nuit. J'ai un peu la tête dans le cul. Voilà, pour dire très clairement. Donc du coup, je ne sais pas si je vais beaucoup parler sur ce parcours. On verra bien. On va voir s'il y a beaucoup de choses à voir. Parce que c'est différent du marathon de Vannes que j'avais fait l'année dernière. On verra. Ah, cette vue là, ça j'adore. Ça c'est fait, c'est dit. Ça fait plaisir. Bon les amis, nous sommes toujours sur le parcours de l'ultramarin. J'ai l'impression de faire l'ultramarin. Sauf que ce qui est bien, c'est que là on fait que 10 km quoi. Mais c'est cool de revoir ce superbe parcours, ce paysage. Franchement, on n'est pas bien là. Moi j'ai pas ça à Nantes. C'est quoi ce déguisement? Excellent. Bon, j'avoue les gens, j'ai fait ma feignasse. J'ai pas sorti mon déguisement. Mais bon, je le sortirai cet après-midi du coup quand les foulées de Vertavienne. Là, c'est qui là? Ah oui, alors du coup, c'est vrai que cet endroit-là, ça me fait plus penser au marathon de Vannes. Et je crois que j'étais déjà pas fraîche du tout en fait. Mon ami le temps dormir n'est pas bon. Et Pierre, mon aimant Pierre. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas le tout de prendre des photos, on est. Mais c'est quoi ça? Non mais regardez-moi ça. C'est quoi ça? C'est de la bière. Ah ouais. Je crois qu'au marathon d'ailleurs il y a même dehors des crêpes quelque part. Crêpes galettes, je sais plus, il me semble. Mais bon c'est sympa, hein, ça change. Des ravitaux qu'on peut trouver généralement quoi. Ah. Ouais, moi, je suis partie complètement à l'extérieur. Moi je suis hors terrain quoi. Bon, c'est pas grave. Il reste moins de 3 km. Mais quand même ça passe super vite. Allez, c'est bien. Ah. C'est la fête dans la côte. Ah oui. Fond les gens. Je suis assez étonnée, hein. C'est quand même assez plat. Hein. À part là. Ah oui. Alors ça, c'est le fameux passage où tu crois que t'es arrivé, mais en fait non. T'as tout le tour du stade à faire encore. Ça, c'est un peu. Ça casse le moral, quoi. Enfin, surtout sur le marathon, quoi. Ça aurait voilà.
la fin est là-bas. On a tout un tour à faire. Bon, la question du matin, est-ce que je vais faire moins d'une heure ou pas? On ne sait pas. Ah ouais, je vais faire moins d'une heure. 57. Bon bah j'ai le temps. Voilà, on a le sourire, tout va bien, tout va pour le mieux. Tout va bien, tout va bien. Les os, on vient d'en terminer. Oui, Charles Gauthier. Voilà, bon, voilà, 10 km. En 56 minutes. Ça va, c'est... ça reste raisonnable. Ça c'est fait. Il reste plus qu'à faire la course de cet après-midi. Allez, fini. Pas trop dur. Non, ça va. Moins dur que le marathon de Vannes. Bon bah les 10 km des foulées du golf, c'est terminé. Et on se retrouve cet après-midi pour les 12 km des foulées de Vertavienne. Allez, à tout à l'heure.